Après la bonne nouvelle d'hier, disant que Dieu va intervenir, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, 2 ou 3 jours, je suppose. Enfin, j'avoue ne pas trop savoir. Marie dit bien que si vous jeûnez et priez, votre cœur changera et vous verrez des changements dans votre famille. En effet, le jeûne est un très très bon moyen de lutter contre les problèmes. Le satanisme, la drogue, l'alcool, le sexe à gogo, la nourriture, la déprime, les jeux, l'isolement. Je vous rappelle très vite les bases. Le meilleur jeûne, c'est au pain complet et à l'eau. Le mercredi et le vendredi. De minuit à minuit. Pain et eau à volonté. Si vous avez du mal, ajoutez un fruit ou du jus d'orange ou sautez 1 ou 2 repas. Ce qui est important, c'est de prendre une décision et de la maintenir. Marie nous dit « Devenez saint ». Concernant la sainteté, on a tous l'image de très grands saints qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont mal fini. Nous, on ne veut pas ça. On veut juste être marié, élever des enfants, avoir une maison et un bon travail, et pourquoi pas un petit chalet à la montagne. Eh bien, rassurez-vous, c'est ce que vous propose Marie, car il existe de très grands saints, mais ils sont très très rares. La majorité des saints, ce sont des saints ordinaires, qui ont une vie ordinaire, en plaçant Jésus à la première place dans leur vie, avec la messe, l'adoration, la confession, la lecture de la Bible, le jeûne, le chapelet. Alors, confiance et prière. N'oubliez pas le jeûne. En mars 2020, Jésus pleure. En effet, voici une vidéo qui a été publiée le 23 mars 2020. Donc, il y a quelques jours, où l'on voit la statue de Jésus pleurer. Ça se passe à Acámbaro, au Mexique. J'ai déjà fait plus de 700 vidéos que vous pouvez voir et revoir sur mes 2 chaînes, croixacier.fr et Apparition Medjugorje. Prière. Fermez les yeux et répétez après moi. Marie, prie pour aider toutes les personnes qui veulent jeûner et prier avec le cœur à le faire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici les prières pour les abonnés. Merci de prier pour Jacques, qui est en insuffisance respiratoire. Lionel a besoin de prières pour retrouver sa place dans son village. Priez pour Kevin et Régis, qui sont dans la drogue et les vices. Et aussi pour le repos de la mère d'Isabelle. Priez pour la sœur d'Anna,
une religieuse qui est malade. Et enfin, pour protéger David, qui est ambulancier. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai très peu de moyens, mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière, voici mon adresse mail, remy.croatier@orange.fr.